le passé. De reprendre ma force et avec dans la main cachée, c'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs sécher. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, oublier la honte, les souffrances des doigts lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. L'association des enfants défavorisés d'Afrique et d'outre-mer, ACEDAO en sigle, représentée par sa présidente Madame Da Silva Lola, a fêté le samedi 19 juillet 2008 le premier anniversaire de son orphelinat dénommé les Bons Samaritains, situé à Kinshasa, 6 avenue du marché numéro 25, au quartier 7 dans la commune d'Njili. Ces centres d'orphelinat, devenus un second refuge pour ses enfants, comprenant un dortoir, une salle informatique pour la formation, a vu de nombreux participants venus de partout pour rehausser de leur présence la cérémonie. Une prière d'ouverture et d'action de grâce a été dite par Madame Lola Da Silva à cette occasion. Ambabiso, conduis-nous Seigneur. Kambabiso, ne débit na biso. Conduis-nous l'Éternel. Pesuka na biso nzambe. Du début jusqu'à la fin. Yekara na makasi na yo. Les mots de circonstance et de remerciement lus par Mademoiselle Alpha Lola a convié l'assistance à la réjouissance. Par l'entremise de sa présidente, Madame Da Silva Lola Françoise, ensemble avec son mari Pasteur Daniel Da Silva et son équipe, vous remercie très sincèrement de votre présence dans ces lieux malgré vos multiples occupations. Les Bons Samaritains, comme vous pouvez remarquer, ACEDAO est une association non gouvernementale de développement en cadre des enfants orphelins dans leur éducation, scolarisation, matériellement et financièrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en effet, nous sommes disposés d'accueillir vos propositions, vos suggestions et vos dons pour la bonne marche de cette œuvre. Car la tâche n'est pas facile, mais nous savons qu'avec Dieu, nous surmonterons certaines difficultés. Nous présentons nos sincères remerciements à tous les membres et sympathisants de la France qui ne cessent de nous aider afin d'atteindre nos objectifs. Sur ce, il ne me reste qu'à vous remercier encore une fois de plus de votre présence et un cocktail vous sera présenté en vous souhaitant de passer un très bon moment au sein de l'orphelinat Le Bon Samaritain. Que le Tout-Puissant, Dieu de l'univers, vous bénisse. Cette cérémonie brève mais très émotive et significative a connu les témoignages de certains personnages et a contribué moralement, spirituellement et matériellement à la réussite de cette œuvre chère au couple Da Silva. Merci, vraiment j'ai aimé Alingi Actango et Salami, vraiment. Tango Nazo qui invitation Oyo. Quand j'ai reçu l'invitation, moi et mon pasteur. Et moi avec mon pasteur, le prophète de Nilessi, le prophète de Nasson. Pasteur Legakinga, Atininga, au nom de l'Arche Noé. Amen. Comme le pasteur de Nilessi s'est occupé, le pasteur m'a délégué de venir ici pour l'assister au nom de l'église de l'Arche Noé. Parce que l'église de Bissotosanango, c'est une grande église mondiale. L'église que nous avons, c'est une grande église mondiale. Voilà, ils ont divisé en trois
trois branches quoi. Il y a trois branches de l'église. Il y a branche, il y a évangélisation. Et une branche d'évangélisation. Branche, il y a pour bâtir bah, l'église. Une branche pour bâtir les églises. Et tout ça sous la branche mot, il y a le ministère d'aide. Oui, il y a une autre branche qu'on appelle ministère d'aide, mais ministère des sociales. Voilà. Donc, tant que tu as eu l'invitation au yo-yo. Quand nous avons reçu cette invitation, le pasteur, le prophète Denis Lessi. Le prophète Denis Lessi. A le Yenganaïa Awanaï Kotika, une contribution de sa part. Na Komboya, l'ensemble archinoureux. Oui, le prophète Denis a donné un don, il m'a légué de venir déposer le don que vous avez vu les cartons des savons, les coques pour ses enfants au nom de l'église de l'Arche de Noé et le prophète des nations. Parce que ça fait partie aussi de la mission au Nzambapi, ça y est. C'est une partie de la mission que Dieu lui a confiée, encore une mission de plus pour les sociales, pour ces pays Congo Kinshasa. Tu sais qu'aider c'est un don. Oui, aider c'est un don. Voilà. Et puis, ko sungabana, ezali ko linga venir ya lobiezala. Oui, soutenir les enfants, c'est vraiment vouloir que l'avenir de l'humain puisse exister. Voilà. Yamba tininga na pesa susuna lancer sous appel. Naba oyoyo, bazozwa misolo na bango, ko boka na babalabala, ko sala nango ba n'importe quoi. Vraiment balanda likanisi oyo, ezali likanisi ya malamu o mama zui. Vraiment bazanga ko soutenir yete parce que c'est une bonne chose. Nzambe aozanga jamais ko pambola moto azusunga. C'est pourquoi le prophète m'a envoyé afin que je puisse ramener ces dons. Le prophète a dit que s'il y a des gens qui sont touchés au travers de cet acte, comme nous l'avons fait avec l'Arche de Noé, ils peuvent nous rejoindre, nous tendre les mains pour que l'acte social dans ces pays puisse continuer à donner des dons, que cette œuvre puisse s'épanouir. Voilà, donc ça a tel mesoko là, il y a un bisou peut aux inviter pour soutenir maman parce que ça fait partie aussi de la mission au bisou aux anango. Comme le travail grandit, l'Arche de Noé, toute l'équipe de l'église de l'Arche de Noé, nous sommes là pour soutenir maman Lola et pasteur Daniel afin que l'œuvre aille de l'avant. Portons cette œuvre dans notre cœur. Merci. D'autres témoignages s'en sont suivis des éducateurs, des enfants eux-mêmes pour clôturer les activités de cette cérémonie. Quand j'ai eu les enfants depuis la rentrée du mois de septembre, vraiment j'ai été très touchée parce que les enfants, et quand ils étaient venus, ils avaient un peu honte, ils avaient aussi peur, mais quand je les ai eus, vraiment les enfants se sont adaptés. Les résultats étaient très bons. Bon, la majorité a reçu à partir de la maternelle jusqu'en sixième année. Mes enfants ont très bien travaillé. Je crois que chacun doit s'y mettre, hein. En tout cas faire un effort pour essayer de très bien encadrer les enfants, les suivre de près et aussi avoir le souci d'améliorer aussi le rendement de tout un chacun. L'objectif était d'encadrer les enfants, de prendre en charge les enfants. Qui sont exclus du système éducatif pour raison de pauvreté. Nous avons trouvé que nous étions dans le même esprit de collaboration. Ces enfants ont fait l'un. En fait, ce sont des enfants aussi qui devraient être aussi exclus du système éducatif comme tous les autres enfants. Et on a trouvé effectivement que ces enfants qu'on a pris, il y en a quand même qui ont bien travaillé, tel que Madame Vladine. Je crois que c'est une collaboration qui va continuer dans les années à venir. Je le souhaite d'ailleurs. Travaille Daniel, Tantine Berle, à toute l'église et Tantine Guilhem. Pour les cadeaux qu'ils nous ont envoyés, merci que Dieu vous bénisse. Beaucoup des enfants qui sont dans la rue rentrent en ces lieux. Moi, je pleure encore de joie parce que je sais qu'il y aura beaucoup des hommes qui sont bénis dans ces pays, des hommes politiques, des organismes qui vont tendre leurs mains financièrement pour que les enfants qui dorment dehors au Congo puissent trouver leur place ici. Ici, j'insiste parce que c'est vraiment trop triste de voir les enfants qui ont des bagages. Si vous voyez ces enfants, ils sont allés à l'école cette année. Tous ils ont réussi. Des bons résultats. C'est-à-dire qu'ils ont des bagages intellectuels. C'est l'avenir du pays Congo. Vraiment, je pleure encore de joie parce que je sais qu'il y aura d'autres enfants qui vont se rajouter et l'endroit va s'élargir. Et je voudrais vraiment remercier le Seigneur par rapport à cette œuvre qui a un an. Aujourd'hui, nous avons un an. C'est ni par la force ni par la puissance, comme dit la parole de l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit que nous arrivons. Et je dis vraiment merci à Dieu pour cette grande œuvre grandiose. Moi, je le vois déjà grand parce qu'on commence avec les petites choses. Dieu dit si vous êtes fidèles aux petites choses, je vous confierai des grandes choses. Donc, toute l'équipe de l'Église, la puissance du Saint-Esprit, Maman Lola et Pasteur Daniel, vraiment remercie l'Éternel pour cette journée d'action des grâces. Bonjour, rappelle. Peigne. Est-ce que vous m'appelez d'être? On n'a pas appelé d'être. S'il vous plaît. Donnez-moi une peine, s'il vous plaît. Caméra.
Il est où Josué? Appelle-moi Josué, s'il te plaît. Tu as acheté la même tête? Oui, ça. J'ai acheté. Tu as acheté? J'ai acheté. Tu as acheté? Tu as acheté? Tu as acheté? Tu as acheté? Tu as Bravo et bon courage pour l'année prochaine. Voilà. Les travaux chez la dame. Bon, maintenant, on garde ça. Okay. Qui va passer?
Mokoko, au Mokoko. Voilà. Félicitations. Félicitations, Yaya. 75%. Yaya, 75%. Alors. African jazz. Oui. Ça va? Mananga, mananga. Mais maman, c'est grave ça avec les enfants. C'est 84%. Débité. Il s'appelle Wichicha. Madame, bonjour. Tu as la porte. Wichicha. Tu as bien réussi quand même. Tu passes en quatrième. Tu es devenu un grand garçon. Félicitations. J'avais dit mal au début. Je vais te couper. Nyande. Yiwaya. Très bien. C'est ma 9%. Félicitations. Mais toi, tu vas remettre. Yaya. Voilà, Ntambu. Banda. Tu as bien réussi quand même. Tu passes en première secondaire. Bravo. Tumbula, cinquième année. Sixième. C'est un assez. Sixième année, mais ce que vous quand on travaille de l'enfant, il y en a. C'est une fille qui est bien, moyen. Je sais que ce sont des filles qui sont venues de... Ce sont des orphelins. Mais ils s'appliquent un peu bien par rapport aux enfants que nous ramassons de part et d'autre. Ils sont arrivés seulement cette année, mais ils ont montré de quoi elles sont capables. Il y a Nyandé qui a eu 59% et Nsambu qui a eu 55%. Nous attendons le point de test, le test d'évaluation, pour compter tout ce qu'on peut dire sur ces deux enfants. Merci beaucoup, merci maman. Moi, je m'appelle Monsieur Kimbote, j'encadre l'enfant du Wete Tchao. C'est un enfant que vous voyez là, qui est un peu turbulent. Il est turbulent. Il a aussi une force là plutôt de frappe supérieure par rapport à tous les autres élèves qu'il a ici. Il peut facilement s'adapter, mais négligent surtout en écrit. Autrefois, vous pouvez voir dans les cahiers de devoirs ou cahiers d'interrogation, j'aurais écrit « Veuillez m'aider à l'écriture de cet enfant ». Nous, tels qu'au niveau des 3e et 4e, nous n'avons pas ce temps-là de tenir l'enfant en main pour le faciliter à écrire. Ça, c'est la première difficulté de l'arbre. Et ensuite, difficulté en calcul, en français plutôt. En calcul, il se débrouille bien. En français, il a des difficultés. C'est aussi, il ne parle pas, c'est ça aussi qui provoque sa force de frapper. Mais lorsque tu l'envoies au tableau, il se défend. Mais parler en application, il a des difficultés parce qu'il a une difficulté de langage. Mais outre, il peut bien évoluer. Merci beaucoup pour votre intervention. Okay. À l'année prochaine. Vous pouvez passer un peu. Pour la conduite, non, et sa fille, il se comporte bien. Et l'application aussi, c'est bien. C'est un bon élève. Vous vous présentez? Vous répondez au nom? Je me réponds au nom de Madame Jeanne Ngumba.
Oui, je suis mariée, mère d'une fillette. Présentez d'abord. Hein? Vous présentez. Moi, c'est maman Venadia Joséphine, éducatrice de M3A. Bon, je suis avec ma tsongue depuis le mois de septembre, de l'année passée, et jusqu'à aujourd'hui aussi. Donc, c'est un enfant, au premier trimestre, en tout cas, il ne parlait pas tellement. Il était trop timide. Au deuxième trimestre, en tout cas, il s'est amélioré, et jusqu'à la fin de l'année aussi. Donc, il travaillait bien, sauf qu'il dérangeait beaucoup et tapait souvent les amis, c'est ça. C'est un enfant que j'encadre ici. Hein. Le nom, votre nom, papa? C'est le coq via la Grégoire. Hein. C'est un enfant qui travaille bien, très bien, il est appliqué. Il ne dérange vraiment pas. Vraiment, je crois que c'est trop bien. Je suis là, titulaire de la 5e année. Bon, en ce qui concerne l'enfant, il reste avec moi. Je crois que l'année prochaine, il va essayer un peu de nouvelles efforts. Hein. Donc, un peu plus de l'année prochaine. Et tu qu'il reste avec moi. Donc, il reste à 5e? Oui, il reste à 5e. Merci pour l'ange éternel qui capte autour de nous. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a donné le vite. Merci pour la victoire et que tu donnes dans cette journée. Merci pour les programmes que nous avons fait avec toi. Parce que la vie cassée éternel est bâtie, parce qu'il bâtit pour la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Maintenant, le comité d'accueil pour le recevoir. Madame, on peut avoir votre impression. Nous sommes maintenant arrivés à l'hôpital. Quelle est votre impression pour vous? Ben, je remercie le Seigneur qui a permis que nous puissions venir donner les dons aux enfants qui sont ici. Et tous les enfants sont venus pour donner les dons aux enfants orphelins. Ils ont perdu leur maman, ils vont donner leurs dons. Et nous sommes venus apprendre à ces enfants qui sont orphelins aussi, qui sont aidés par les autres. Quand ils grandiront, eux aussi, quand ils vont faire leur part, qu'ils aident aussi les enfants qui sont dans les besoins. C'est là qu'on est venu faire aujourd'hui. Je vois à côté M. Numbi, Jean-Paul, vous aussi vous avez quelques commentaires à faire avant d'entrer dans le but du sujet. Comme la maman présidente Samalo, l'évangéliste qu'elle vient de parler, donc en collaboration avec la CEDAO, nous sommes venus rendre visite surtout aux enfants qui sont orphelins pour leur donner là, un peu la contribution pour leur survie. Là, c'est un gros plan. Les enfants de la CEDAO, accompagnés de leur maman, la sœur Lola. Lionel, viens là. Je vais te poser quelques questions. Ils n'ont pas de personnel qui vont prendre des dons. Parce qu'elle est trop pressée, donc on va filmer. Maintenant, la personnel qui va rejoindre, donne trop pressée, ça va pouvoir filmer maman. Ah, d'accord. Vous voyez ce qui est, hein? Un pied, les pieds, on n'a même pas. Je sais maintenant, c'est pas grave. Le Seigneur va nous conduire.
Filmer la 4 minutes, il faut filmer à mon avis de tous. Attention. Ça arrive pas à dire de vite, hein, parce qu'on n'a pas filmé là-dessus. Il y a un enfant qui n'a pas encore pris. Passez devant, non? C'est déjà bon. Il n'y a pas bon. Moi aussi, je ne connais pas. Voilà. Oui, c'est fort, hein? Mais ils ont rabat, on y va. Le comment il s'appelle? Il n'y a pas de qui l'a le bébé s'appelle Mantia. Mantia, c'est le nom de la maman. D'accord. Le nom de la maman. Bon. Le nom de la maman. Madame, s'il vous plaît, je vais faire un geste pour te guider. Hein. C'est possible. J'ai fait le premier bébé. On est venu donner des petits dents à ces beaux des choux qui tombent. Qui s'appelle, c'est une fille, un garçon. C'est une fille, voilà. On est venu apporter des dons, on est venu montrer aux enfants quand ils grandiront et leur tour aussi à aider les autres qui sont dans les besoins. Et cet hôpital nous a ouvert la porte. Hein, et je vous présente ce petit bout de chou qui est tout beau, qui est tout belle et que le Seigneur a donné ses merveilles et dit amen. Hein. Amen. Voilà, on va aller les côtés. Moi, là, je prends la petite aussi. Tu peux prendre la petite. Elle est toute belle, elle est toute en rose. Comment elle s'appelle? Oui. Comment elle s'appelle? Ma mère Marie. Vous voyez comment elle est toute belle? Voilà. Elle salue tout le monde en France, toute l'église, la puissance du Saint-Esprit. Mère Marie, vous dites merci pour les dons que vous avez ramenés. Amen. On va aller. On avance les enfants. Elle a déjà, on va remettre ça. Les cadeaux, oui. Oui, on donne les cadeaux. On les donne les cadeaux à maman. Voilà. Le bébé, elle est toute belle, elle a déjà ce boucle d'oreille, vous voyez, hein. Miradine n'est même pas encore sortie de l'hôpital, mais elle a déjà ce boucle d'oreille. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, regarde. Elle va même ouvrir ses yeux, vous voyez. Oui. Miradine, Josué, Lionel, les Ossé, Sarie, Brabloa, Sarah et Marc sont venus te rendre visite. Ah, ouvre tes yeux. C'est tout beau. On fait bisous. On fait bisous, bébé. Et tout le monde te fait bisous, voilà. Merci. Là, on est d'allaiter le bébé. Qu'est-ce que c'est merveilleux? Sa maman, elle fait un beau geste. Elle est Moïse. Oh, les sauveurs. Les sauveurs, toi, tu es comme tu étais dans les vagues. Dans les bouts. Oui, c'est un garçon. Il s'appelle Moïse, les sauveurs. Donc, la maman, il fait un beau geste. Il allait le bébé. Et à Moïse et à sa maman. Voilà, que Dieu soit loué. Hein. Nous bénissons Moïse, qui sont les sauveurs de Congo Kinshasa et toutes les âmes perdues. Allons-y. Il y a Moïse, il y a Grâce. On va déranger Grâce. Hein. C'est mon message, s'il te plaît. J'ai envie de porter ce bébé-là. Et ça me fait une grande joie
d'être au milieu de tous ses enfants. Oh, grâce, excusez-nous. Voilà, docteur, je vais prendre grâce. Grâce, elle est là. Et José qui va donner le don. Il est là, grâce. C'est Dieu qui donne le don, c'est pas grave, José donne le don. Merci. Et que Dieu bénisse grâce, qu'il puisse grandir avec le Seigneur, qu'il puisse connaître le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les personnes. Merci pour la gentillesse. Bon, ben, comment il s'appelle? Waouh, ce petit bout de chou, il est né qu'hier. On ne va pas trop déranger. Sa maman est là, donc on ne va pas trop déranger. J'appelle. Dieu lui a donné les dons. Donne les dons à maman. Voilà. Que Dieu bénisse aussi ces petits garçons qui viennent naître et qu'ils puissent grandir dans la grâce du Seigneur. Vous vous rappelez, il y a d'autres là? Non, la maman. Oui, on va donner. Oui, oui, le bébé est en vente. Là, c'est bientôt l'accouchement. Nous voulons préparer quelque chose pour le bébé. La maman, elle attend l'accouchement. Et donc, nous souhaitons, nous bénissons l'accouchement. Et nous avons dit d'accompagner sa mère puissante, c'est la maman. Et nous disons bienvenue au bébé. Et nous accordons cela à notre bébé qui va vivre bientôt. Merci. Et Dieu vous garde, maman. Vous donnez le courage. T'es un garçon? Waouh! Oh là là! On est plein de bébés aujourd'hui. On est content. Sarah, tu vas suivre comment elle est vous? Hein? Tu veux les dons? C'est les dons, maman. Je donne. Voilà. Comment il s'appelle, bébé? Monsieur Wangom, Monsieur Wangom, il est déjà en vie. Il est venu là au monde. Attendez, on va filmer ça, on va filmer le. T'as vu comment il est beau? Hein? C'est plus joli. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur. Qu'il soit béni avec ses parents, au nom de Jésus. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres enfants qu'on doit aller voir encore. On y va. Ah oui, on va aller voir. Que cela se passe bien au nom de Jésus. Amen. Et en sortant de ce lieu, j'aimerais bien que le Seigneur te donne, dès que je sors de ce lieu, que tu accouches, que le Seigneur nous traîne. Amen. Et on finit après l'accouchement de maman qui a en bas des contractions de la maman. Je sais que ce n'est pas facile, ils sont dans les contractions. Donc ils ont mal, mais nous voulons aussi bénir ces bébés qui vont naître aujourd'hui, moi je crois par la foi, en sortant des séries, quand ils vont retourner, ils vont accoucher. Amen. Vite fait, parce que les mamans sont en contraction, donc il ne faut pas trop traîner ici. Voilà. Il ne faut pas trop traîner ici parce qu'ils ont mal. Voilà, donner à maman. Ben, que l'accouchement se passe bien au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons les bébés. Pardonnez aussi que l'accouchement se passe bien. Je sais qu'elle a mal, on va le mettre à côté. Parce qu'elle a mal, elle attend son accouchement. Et moi j'ai la foi qu'en sortant de ce lit, en tournant le dos, elle va accoucher bientôt. Amen. Hein? Et nous bénissons tous les accouchements. Et nous bénissons l'équipe qui nous a accueillis. Il y a encore un bébé. Allez-y, prendre un temps, s'il vous plaît. Comment il s'appelle? Et le bébé, papa. Le bébé, on peut te l'aider. Non. Est-ce qu'on peut? Cinq jours, c'est mon bébé. Ça va. Tu vois? Ça va pas comme ça. Le bébé qui a fait 5 jours qui vient de mettre. Voilà. On ramène les doigts. Merci. Maïa, il y a savon, il y a merci. C'est pas rien. Je sais, je comprends parce que là, c'est le travail qui se fait. Les anges sont là en train d'arranger. Pouf. Comme ça va sortir tout de suite. Voilà. Ramène les doigts, Martin. Tu donnes. Bébé. Il vient de naître 5 jours. Hein? Donc, elle vient fumer le bébé. Il vient pour voir le bébé. Voilà. Voilà bébé, et nous on vous dit au revoir. Merci à toute l'équipe, finalement toute l'équipe. Merci. Merci pour votre accueil, merci de nous avoir ouvert la porte. Merci. Et que Dieu bénisse cet hôpital et bénisse tout le monde qui a bougé de nous. Amen. D'avoir pensé à nos mamans et à nos bébés. On peut continuer. Nous tenons à remercier la maman qui est venue donner les dons à l'hôpital maternité Vigana. Pour ces derniers temps, vraiment, les gens sont en difficulté. Le lait et le sucre qu'elle a donné à la maman, vraiment, ça va faire du bien. Ils ont besoin de protéines. Que Dieu bénisse la maman, qu'il accorde beaucoup dans son ministère. Amen. Pour les enfants à l'hôpital et nous sommes bénis vraiment parce que le Seigneur nous a permis de faire ces petits gestes. Moi je suis content parce que les enfants ils ont appris aujourd'hui à aider d'autres enfants et je crois que quand ils vont grandir ils vont aboutir les chemins pour continuer à aider ceux qui sont dans les besoins, ceux qui en manquent. Vraiment c'est quelque chose de merveilleux. Je sais que le Seigneur a mis un sceau de la connaissance, de l'amour des autres. Amen. Et j'ai béni toute l'équipe, j'ai béni l'hôpital. Si l'hôpital peut filmer aussi l'hôpital, vous voyez comment c'est propre. Hein? Cet hôpital est très propre et j'ai béni le Seigneur que les mamans accouchent dans les bonnes conditions.
Je suis ici avec les enfants après la visite de l'hôpital. On va passer un moment d'attraction avec les enfants pour visiter les animaux. Le parc zoologique du Congo. C'est un grand parc. On espère trouver un peu des animaux dans ce grand parc. Donc on cherche une place pour se reposer d'abord avant d'aller voir les animaux. Approchez voilà. Les enfants, docteur va expliquer. Docteur, ouais, venez vous. Ça c'est le crocodile. Hein, le caïman, vous voyez. Voilà. Vous avez vu? Non, c'est le côté, il dort, hein? Il dort déjà. Papi. Il est fatigué, il a mangé. Il est fatigué. On va aller vite faire les enfants, on fera la promenade. Doucement. Venez parce qu'on n'a pas beaucoup de chance. Allez. Vous avez vu? Venez, venez vite. Il dort. Venez voir l'autre côté. Là aussi c'est. Ah c'est d'accord, oui. On peut dire là. Oui aussi, dort. Allez-y, avancez. Voilà. Là aussi c'est le crocodile. Hein? Vous voyez? Là il dort, il est fatigué, docteur. Ah oui. Que les siestes. Mes enfants, on est venus voir les animaux, pas manger comme ça. Tu vois pourquoi je veux les manger ça. On y va là-bas. Ça c'est les singes, hein, vous voyez. Vous l'entendez les manger. Ça c'est les singes, hein. Elle veut manger ça là. Hein? Non, lui il n'est pas trop méchant. Voilà, c'est les singes. C'est très beau. On y va, on va voir. Tu as vu les singes? Les oiseaux, tu as vu? Voilà. On ne peut pas introduire la main là-bas. On ne peut pas introduire la main. On y va, les enfants, venez. Danser. Il fait les gestes parce qu'il sait que. Voilà, il veut que vous le donnez. Eh, Sarah, donne plutôt tes bâtons. Ça va plus, va donner. Vas-y, place. Va donner Sarah. Tu es là, mais donne Sarah, vas-y. Et ça y est. Voilà. Sarah, il a servi à manger, vous pouvez dire. L'orange, hein? C'est l'orange. C'est l'orange, oui. C'est bien. Ok. On y va. Il a honte, là, de regarder. Le tombolier. Okay, pardon. Vous avez les enfants. Tikala. Tikala, la pomme. Les enfants, vous avez vu? Ça, c'est le crocodile, le gros. Pourquoi il est là? Il dort comme ça? Il dort. Faut pas aller tout près. Allez, écartez-vous. Non, tombe-le toi. La tombe-le. On y va. Quel bête, je sais gagner. Moi, d'abord, il y a un quai-moi. Il est en train de voir. Il regarde. Alors, je dis ça. Quand tu vas pas,
Amela. Ça, c'est les pitons. 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 Ça arrive. Vous avez vu les pitons? C'est lui le chef de l'Ovini, c'est nous. Ça va, t'as vu, hein? Agua, tu as vu les pitons? Hein? Je m'appelle piton. Faut pas. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre ma force. Éveille dans la main cachée, c'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs sécher. C'est encore possible, c'est possible de retrouver la joie.